acheter des jumelles. À essayer d'occuper des phares. Vu qu'il ne sait pas comment les éteindre. Voilà, ça c'est fait. Et là. Échanger de véhicule pour prendre un truc un peu plus tout-terrain. Ouais, c'est une bonne idée ça. Avec le truc que j'avais, c'était compliqué. Alors, est-ce que ça a marché? Ah, j'ai plus de phare, c'est bien ça. Je vais faire la même chose à l'arrière. Non, ça c'est ça, ça c'est dans le vent ça. Ah c'est ça, comment éteindre? Voilà, la lumière quand il n'y a pas d'interrupteur. Ah, ça c'est encore dans le vent ça. Voilà. Tu me dis quand t'es en place. J'ai les jumelles, je m'en vais là. T'es en place? Je suis en place. Bonjour madame, c'est bien pourri chez vous, mais je viens quand même faire un. J'ai lancé. Sinon les projets, bah, je pense qu'il va m'accompagner voir le baron. Sinon, c'est ouais, on va faire des braquages et on verra. On va peut-être essayer de faire une petite équipe. Et il veut faire partie aussi du projet d'enlèvement. Ah c'est bon, ça le donne. Projet d'enlèvement de du patron. Ouais, Vigo, il monte un gang, ouais. Ah, je pense qu'elle a des trucs sur elle. Ouais. Elle a plein de trucs dans sa cache, c'est bien elle. Ce serait bien qu'on arrive à choper un appart là pour pouvoir stocker. Un qui est libre pas loin de chez les verts. Ouais, ouais dans les faut faire attention là-bas parce que. Ouais. Pas dans leur quartier donc. Ouais mais enfin c'est pareil en fait comment dire il vaut mieux éviter quoi. Je préfère en dehors. Tu vois, dans le nord, c'est bien. Dans le nord. Dans le nord, il n'y a plus rien à part des caravanes aussi. En fait, quand tu ouvres l'inventaire, la barre en bas disparaît. J'ai l'impression. Bah apparemment, le BCSO, le vendredi soir, ça fait la fête. Hein. Le samedi matin, il n'y a plus personne. Ouais, c'est ça. Ou t'avais raison, ils sont tous au Bénise. Hein. Là, ça doit être fini. En général, à l'ouverture, ils sont tous au Bénise, ils font tous réparer, donc t'attends une demi-heure, mais après, ils repartent tous. Ah, ça fait une heure, là. Ouais, de toute façon, après celle-là, on va s'arrêter là, on va aller les vendre. Tu les connais les mecs du quartier coréen là, Little Séoul ou je sais pas quoi. Non, je les ai jamais rencontrés. Ouais, moi je les ai rencontrés avec Al mais je leur ai jamais parlé directement donc. Je sais que c'est des resellers mais je sais pas combien, enfin je me vois mal débarquer là-bas pour ça quoi. Bah je pense qu'au bout d'un moment faut peut-être y aller au Balls. Non, la dernière fois que j'y suis allé au Balls, j'ai failli les perdre. Ouais, mais au Balls respectueux. D'après ce que j'ai compris, eux, ils ont pas de problème à ce que tu viennes dans leur quartier, donc tu viens les voir et
Tu leur dis, voilà, j'ai des sacs un peu compromettants, est-ce que vous voulez bien m'en débarrasser? Puis voilà. Pire, tu vas sans rien, tu vas juste en pourparler, quoi. Ouais, c'est fini. Combien? 54. On fait 111 en tout. Ouais, c'est pas mal hein, pour une première. Yep, bah là, ouais, ils sont pas, c'est pas actifs, hein. De toute façon, je pourrais pas en faire une autre et parce qu'on a plus de comment dire, on a plus de place quoi. Donc on va aller vendre, hein, je pense. Rendez-vous donc j'avais dit en 80-45 pour scinder. Dis-moi par contre, t'as combien d'argent toi? De liquide, de vrai argent. Ouais. Ah bah si, y a quelqu'un. Pas si cool. J'ai 1000 balles. Ah d'accord. Ouais, j'ai 5000. Donc, mais là, de toute façon, on va gagner plus. Là, je vais aller le voir. Et bonjour monsieur. Ouais, salut, ça va, ouais. Ça va et vous? Ouais, t'as remarqué, ouais. Dites-moi, j'étais passé la dernière fois avec monsieur Al Gecko, Al Gecko. Et Ouais, quoi? il m'a Ouais. dit que vous repreniez les sacs. Ouais. Vous les repreniez à combien s'il vous plaît? Bah, ça dépend. Ça dépend, ouais. T'en as combien? Là on en a une centaine à peu près, un peu plus. 111. Ouais, nickel. Bah, si t'as une 111. centaine de tout à l'heure. Je te le reprends au départ 60 $ et plus tu en rapportes, plus tu augmentes comme le business quoi. Ah d'accord. Eh bien écoutez, Mais ouais. crois-toi, 150, tu passes déjà à 70 $. Ah d'accord. Ouais, le problème c'est qu'on peut pas emporter plus de 150 sur nous en fait. Ouais, t'es sûr, ouais, t'as pas d'anem, ouais. Ah Mais là. je te dis, tu vois, tu m'en ramènes 100 là, tu m'en ramènes 50, tu passes déjà à 70 $. D'accord. Ouais, je suppose qu'il faut éviter de demander à la dame derrière, c'est ça, si elle a pas 50. Ah ouais, bah alors je t'explique direct les trois règles de Little Seoul. La première règle, c'est que tu braques pas tête, tu paierais. La deuxième règle, c'est que tu fais pas de deal de drogue dans le quartier. D'accord. Troisième règle, tu fais pas de course-poursuite avec la police dans le quartier, ouais. D'accord. Là, moi, ça me semble logique. Hein. Je demandais. Hein. On sait jamais. Ouais, non, mais de toi, tu as une question, tu as une réponse pour toi, y a pas d'anem. D'accord. Dites-moi, justement, bah, votre téléphone, si jamais, parce que je crois que c'est Monsieur Gecko qui a vos contacts, mais moi, je Ouais, les ai c'est pas. ça. 0920. Alors, Yong, Yond, D comme des rares. 0920. Young. Yong. Ouais, Yond. D'accord. Et voilà, c'est enregistré. Et moi Et je vous. après, bah, si je suis pas là, que tu vois du monde devant la supérette, tu t'arrêtes, tu dis que tu viens de ma part et il n'y a pas d'problème. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon, pas De ici. n'importe qui pourra te reprendre les sacs, il n'y a aucun souci. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vous pouvez me répéter votre numéro, Monsieur Young, s'il vous plaît? 09 20. Ouais, tu peux m'appeler Young, hein, ouais, pas Young, d'anem. d'accord. Ouais, c'est bon, ouais, 09 t'inquiète. 09 20. 0... Ouais, c'est ça, ouais. C'est Dis-moi, noté. t'as pas des rôdeurs, toi, ou un truc comme ça, non? Mais c'est Ou pas t'as mis du rôde contagieux. à lèvres? C'est pas contagieux, on est passé aux MS, puis il y avait beaucoup trop de monde, on va repasser un peu plus tard. Ouais, d'accord. Et moi je vous envoie T'inquiète un pas. message avec mon. Voilà, Ouais, nickel, ouais. moi c'est Comme ça, Zozo. vous aurez d'autres. Ouais, ah ouais, Dodo, ouais, on a entendu parler, mais ouais. Ah là là, en bien ou en mal? Ouais, de Dodo, comme ça, tu vois, de pas. Ouais. D'accord. Juste comme ça, toi. Rajoute tes contacts. Dodo, hop, ça t'est fait. 19-19, putain, toi, t'as eu de la chance, ouais. Ah c'est ça, tout le monde me Ah le dit, mais au moins j'arrive à le retenir, hein. Je suis pas ouais, bon au c'est sûr. chiffre alors. Et Lester, ok, de voir à d'autres. Bah ouais, comme tu dis, voilà, tu vois, t'es le business, je sais pas si t'as des meilleurs prix ailleurs. Nous, on commence comme ça, tu vois, il faut bien commencer quelque part. Bah c'est ça. Donc, c'est parce que c'est pareil, après, tu vois, les types, ils nous disent, ouais, tu es intéressé à faire des sacs, maintenant, ils me ramènent 30, et puis après, ils se cassent, tu vois, alors je veux pas lui faire un tarif de fou direct. Ouais, Nous, on je veut comprends. travailler dans la durée, tu vois. Je comprends. Mais écoutez, je vais vous en donner 54 et c'est mon collègue qui a les autres. Ouais, vas-y, ouais. Allez, je vous les donne.
Faut que tu le payes tout de suite, ouais. Ah putain, ouais, j'ai pas de casse sur moi. Ah d'accord. Je peux te les prendre, il n'y a pas de problème. Si tu veux me faire confiance, il n'y a pas de souci, je te paierai, c'est sûr. Attends, il est quelle heure? 10h25, d'ici 30 minutes, j'ai quelqu'un. Moi, j'ai juste pas de. Ah si, attends, Titi, des conneries, attends. Ouais, Titi, t'es bon, Lard. Ouais, non, attends. Ouais, t'es bon. Ouais, Titi, t'es bon, ouais. Ah d'accord. C'est parce que hier, j'avais 69$ sur mon compte, mais entre temps, on m'a enfloué, tu vois. Ah bah ah oui, oui non, ouais, je comprends, 69, je comprends. Ça fait pas beaucoup, oui. Non, ça. Ouais, ça aurait été compliqué pour payer, mais non, mais t'es ok, ouais. Bah je tenais, monsieur. Voilà, je fais quoi, je fais, vous travaillez tous ensemble ou pas? Ou vous payez chacun individuellement? Non, on va travailler ensemble, je pense. Alors, oui. C'est comme vous voulez, soit je mets que sur un compte et comme ça vous grimpez plus vite et vous démerdez entre vous, soit je mets sur deux comptes, mais après, bah, ça sera plus lent, quoi, c'est comme vous voulez. Non, on va faire, enfin, si t'es d'accord, ouais, j'espère, on va faire ça ensemble. Hein. Oui, oui. Peut-être qu'on travaillera tout seul à un moment quand l'autre sera pas en ville, mais oui, on va rester ensemble. Je ouais, on va faire ça. Simple. Même compte, ouais. Ok, Tamar, dans ce cas, je te propose, voilà, si Lester te vient une fois, tu dis, tu mets ça sur le compte de Zozo, tu vois. Comme ça, on met tout sur le compte de Zozo, et puis c'est lui qui prend les points au fur et à mesure, tu vois. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est Zozo. Ouais. Tu fais des efforts tous les jours, hein, mais t'es pas toujours facile, tu vois. Ah, je comprends, j'ai les mêmes soucis, moi. Ouais, tu vois. Alors, attends, Deco. Tu peux les mettre dans la voiture, les taxes, elle est ouverte, normalement. Ok. Alors, attends. Je vais déjà faire les choses correctement. Parce que si on fait n'importe quoi, bah c'est n'importe quoi, tu vois. Ouais, je comprends, on est vite débordé. Ouais, bah c'est juste que. Ok, nickel. C'est juste que toi, le temps que demain vous rentre dans la compta, que votre nom apparaisse, tout ça, que tu as calculé les taux. Ouais, je comprends. Le téléphone est un peu lent le matin, alors en plus, tu vois, c'est compliqué. Bon, sinon, vous, ça va? Ça fait longtemps que vous faites ça ou pas? Ah bah non, ce matin, c'est tout. Ah ouais, ce matin, ouais, d'accord, ouais, ok. Voilà, enfin, vous avez moi, tenté, j'en ai fait un petit peu hier, quoi. Ok, d'accord. Vous avez tenté d'autres business ou c'est le seul truc que vous avez essayé pour l'instant? Ah non, moi, j'ai essayé tous les business légaux et je me fais virer à chaque fois, alors j'ai plus trop le choix, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Bah écoute, ouais, là, vous pouvez faire un paquet de thunes, hein. Moi, quand j'ai commencé à faire les braquages, je me faisais 10 000 balles par jour. Ah, c'est bien, ça. Ah ouais, c'est bien, ça. Ouais, t'es tranquille, ouais. J'aime bien. Alors, est-ce que ça veut bien fonctionner ce matin, ouais, s'il vous plaît? Oh là là, t'es dur le samedi matin, ouais. Ouais, je comprends. T'es autrement. Ouais, je passe au Bénis aussi voir qu'est-ce qu'il peut mettre sur la beauté là. Ouais, donc je crois que ouais. Plutôt, ouais. Ouais. Ils ont plutôt enlevé là pour le coup, ouais. Ah bah je crois qu'il n'y avait pas la place en fait. Alors attends, Zozo. Ok. Et là, Lester. Ok, je te mets quand même dans la liste, Lester, comme ça c'est ok. Alors les numéros. Zozo, c'est 19. Ah oui, c'est 19-19. C'est ça. Tink, théorie 19-19, et Lester 93-46. C'est bon. Tink, 93-46, ok. Ouais, j'arriverai pas à le retenir, le tien. Moi non plus. Du coup, je vais mettre ça là-dedans aussi. Ah, c'est pas mal, en fait, 111 à 60. Ça fait... Ça fait combien, Lester? 6660. Ah, c'est bien, ça. Et divisé par 2, 3330. Ah, c'est bien, ça. Attends. Ah, c'est bien. J'aime bien les maths. Moi, j'aime. Ah, moi, surtout j'aime quand pas. C'est simple comme ça. Moi, j'aime pas. Ok, là, t'en es combien? Quand t'en es tant. Et sur moi, t'en es... Donc... C'est ça, 111, on est d'accord, hein? Oui, c'est ça, oui. C'est ça, ouais. Ah ouais, d'accord, ouais. Okay. C'est Lester, le comptable. Alors... Dodo, tac d'argent. Et le baron il m'a mis trésorier quand même. Onde. C'est moi le comptable du groupe. Ouais, c'est ça. Ouais, hein. Ouais. Moi j'ai du mal. Hein. J'étais pas très assidu à l'école. Je te le rends, toi. T'es mille titans, toi, tente, c'est ça? Oui. C'est ça. Nickel.
Ouais, t'avais raison, ils sont gentils, hein. Ouais, bah moi c'est ce qu'on me dit depuis le début, hein. Tant que tu fais pas péter leur supérette. Ah, par contre, à Chiron, il y a eu des problèmes parce que les gens se garaient n'importe comment pour livrer l'essence là. Ils se mettaient en travers comme des branques, Oh ils là emmerdaient tout le là. monde. Ah ouais. Vous donnez à qui? Bah, n'importe, à moi. Comme tu veux, Bah. ouais. Comme tu veux. Celui qui attrape. Attention, Et c'est moi voilà. qui l'ai eu. C'est toi qui as gagné le Merci, jackpot, ouais. bonne journée. Enfin, Ouais, on part bientôt, dire. Oh ouais. là là, oh là là, oh là. Non, c'est pas ce que je Enfin, voulais non, pas la faire. voiture. Je suis désolé, monsieur. C'est pas ce que je Non, mais voulais faire. t'inquiète, t'es pas Oh d'ennemi, là pas là, oh d'ennemi, là t'inquiète. là, j'ai eu des spasmes. T'inquiète, y'a pas de soucis. J'étais Ok, trop bah t'es content. nickel. Bah, comme je te dis, voilà. Je vérifie juste un truc. Tac 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 tac. Ouais, c'est ça, ouais. 150, tu passes à 70$, donc il t'en reste 40, 39, ouais, c'est ça. Ah d'accord, bah écoutez, on repassera alors, hein. 39 Y a pas sacs, de tu soucis. passes à plus, ouais. Bah, Ça écoutez, marche. bonne journée à vous monsieur, et puis ça Bonne avance, sera à toi. tout à l'heure. À tout à l'heure, ouais. Bonne journée, monsieur Yang. Ouais, merci, beauté. Arrêtez de m'appeler Mathieu! Bonne journée, Yang. Merci, à plus Monsieur Yang, tard. bonne Ouais, journée. merci, beauté, ouais. Bon, tu veux faire quoi là du coup? Ah bah ça, je vais te donner tes sous déjà pour commencer. Je te dois Oui. combien? 3000? 3330. D'accord. Et voilà. Ok. Bah, ça rapporte plus que la vente, hein. Oh bah oui. C'est un peu plus risqué aussi. Mais là, le samedi matin, ça va. C'est ça. Ou alors on a eu beaucoup de chance. Bon Tu veux choix. qu'on passe à la banque pour mettre les sous à la banque? Ouais. Allez, ça marche. Mets-moi un point et on y va. Hop. La banque la plus proche, c'est celle-là. Ah d'accord, ouais, c'est par là quoi. Vous savez que j'ai le vertige hein, quand même. C'est un peu mes cobayes, mais voilà. Et Et voilà. bonjour, monsieur Walter. Salut, ça va bien? Vous Très bien, et connaissez? vous? Ben oui, on se connaît un peu quand même. Ah Hein. d'accord. On s'est vu à la fête lundi Un peu à la dernier, fête, puis ouais. on s'est recroisé une ou deux fois. Bon, et donc, je vous signale, on n'a pas fait d'hélicoptère, on est bien d'accord, hein? Oui, parce On que en n'a pas fait, fait, hein? il l'a emprunté, on va dire. Un Voilà. hélicoptère ou ça? Moi, j'ai rien vu. Hein. Voilà, tout à fait. Mais si, il est Bon, ben, là. on va faire, on va à cette CQNU là. Ah d'accord, si vous voulez, Vous ouais. On va voir mettrez les un cunis. point, monsieur Jojo? Je Allez, vais on y vous va. mettre un point si les cunis, ouais, y'a pas de soucis, ouais. Vous pouvez monter devant si vous voulez, hein. Oh bah. Je démarre pas encore. Ça y est, vous avez un point. Ah bah je Parce pense que que je ça passe vois au pas. milieu là. Hein. Au Non? milieu, je ne suis pas sûr que ça passe. Je ne suis pas sûr que j'ai assez de précision que pour atterrir au milieu. Je peux essayer, mais. Bah Ou alors essayez, sur on la verra bien. pointe. Non, la pointe en fait, il y a les bancs et tout. Ok. On va essayer, hein, mais. J'aurais été plus à l'aise. Bah approchez-vous, vous allez voir, c'est assez grand, je pense. Hein. D'accord. Ah Bah ouais, sinon, posez-vous sur la route, non? Il y a un peu plus de place à ce moment-là, ou ouais, plus sur grand à la ce route, j'ai. moment-là. Ouais. Mais Ouais, c'est en pente, peut-être hein. en Juste dehors avant ici, l'entrée. voilà. Ici peut-être. Bon, essayez de pas On casser descend, on l'hélicoptère, descend. hein, sinon je pense qu'on n'est pas rentré. Hein. Ouais, on prendra un taxi peut-être pour rentrer. Bon, Ah c'est non, quatre non, trains. non, non, pas les taxis, non. Pas les taxis, ils sont Non, non. dangereux, c'est ça. C'est ça. Ou Vous alors je vais me connaissez. sentir dans l'obligation de le braquer. Ouais. Non, puisqu'il continue à me chercher des noises. Il continue à vous chercher? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas possible. Si, si. Ah, c'est assez droit là, quoi. Oh là, Ouais, c'est en ça c'est pente, hein. bon. C'est C'est en pente. bon, c'est Non, en c'est bon. pente, mais je pense que ça va passer quand Oh même. là là, oh là là, oh là là, oh là là. Voilà, Aïe, ok. oh là là. Bon, Nickel! je suis encore débutant, hein. Non, mais Détachez ça vos va. ceintures Nickel. et on Ah, est c'est cool. parti. Ah, c'est bien. Ah, c'est les cul. Oh là Vous avez là. la permission de rentrer là? Oui, c'est bon. Ils sont gentils, ils me On a connaissent à la force. permission de rentrer? Ah, ils vous connaissent? D'accord, ok. C'est des amis à vous, Jojo? Ouais, on a fait connaissance et on a pris des photos ensemble. Bon, par D'accord, oui. contre, il faut faire couleur locale, hein, du coup. Ah oui. Il faut se. Ah, c'est ça. Ok. Tu peux garder le béret et les chaussures. On peut garder ses chaussures, monsieur Jojo? Tout à fait, ouais. Aïe, oh là là. Ah oui, je veux garder mes chaussures, ça fait mal quand même. Hein. Ah oui, pieds nus dans la pampa, c'est compliqué. Ah, t'as vu, ils ont ouvert. C'est bon.
Ouais, c'est bon alors. Bonjour, Hey, bonjour, on salut! vient en paix, on vient en paix. C'est Zouzou! Bonjour. Bonjour les amis. Et voilà, ça bronze. Ah oui. Ah oui. Mais Bonjour. bizarrement, Tout va bien? Tout va bien, messieurs? La vie est belle? ils ont un sens très prononcé pour l'art, hein. C'est Ah oui, ça. ça, je pense qu'ils ont. Ils ont. La rupestre est assez développée Alors, l'histoire du dans la tatouage, c'est région. qu'il Hein. s'est Bonjour, réveillé. monsieur. Il s'est réveillé dans la Ah, c'est montagne très très joli, avec hein. ce Ah, il tatouage y dans avait le même une dos. église. Il était à poil. On peut aller prier à poil? C'est ça. C'est ça, c'est Ok. ça. Ah, vous voyez, ils sont très gentils, hein. Ah, ils ont l'air d'être plutôt gentils, hein. Ah, il y en a un qui est en train de remplir le réservoir en haut, je pense. Je vais aller le toucher de petits mots, là. Non, non, ils touchaient pas, hein, par contre, Ah, hein, non, 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 vous non. savez pas où c'est qu'ils ont traîné. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est Vous vrai. avez chopé des rougeurs encore comme les cerfs. Ouais. Non, mais ils sont très gentils. Et puis, c'est le bon client, hein, quand vous distribuez des prospectus. Hein. Ah oui, mais j'aurais dû prendre quelques prospectus avec ou quelques journaux, ça leur aurait fait plaisir. Bonjour, messieurs, dames. On peut dire Ah, ça comme voilà. ça. Par contre, il y a beaucoup de monsieur, je trouve, et il n'y a pas beaucoup de madame. Oui, on dirait, hein. C'est peut-être pour ça qu'ils sont gentils avec moi. Bonjour, monsieur. Tout va bien? Cassez pas tout, Walter, quand même. Je vais éviter quand même de trop me rapprocher. Ah bah bravo. Lui, il est en train de pisser là en bas. C'est pour faire du yoga d'abord. Faire une petite séance de yoga? C'est ça. On se met là et hop. Il faut que je m'étire avant, prendre un peu de temps. Comme ça, moi je m'étire comme ça là. C'est bien comme ça. Voilà. Et Ah. après, monsieur le baron, il m'a appris, il faut faire comme ça. Voilà, on met les deux pieds comme il faut. Hop. On fait comme ça. Allez, déjà, ça tire dans le dos là. Et hop, on se baisse. Et comme ça, et Hop, on se on baisse. s'abaisse. Voilà. Vous allez voir que ça fait un bien fou, monsieur Walter, de faire ça. Ok, je vais essayer. Faut essayer de le faire quand il n'y a personne derrière, sinon ça fait bizarre. D'accord, oui, je comprends. Oh là là, attendez, c'est un appel. Qui c'est qui m'embête à ce soir-ci là? Allô? Ouais, je joue, comment tu vas? Bah ça va et vous, monsieur Akono? Ça va bien et tu m'as appelé il y a 1 heure. Ouais, tout à fait, c'est parce qu'on avait des sacs à vendre et je voulais savoir combien vous les repreniez en fait. Je peux te les reprendre à 80. D'accord. Bon, je le saurai pour les prochains alors. Ouais, ça marche, pas de Voilà, parce que souci. vu qu'on les avait sur nous et qu'on pouvait pas les stocker, il fallait qu'on s'en débarrasse rapidement, quoi. Enfin, ça va dépendre des moments. Là, par exemple, ouais, on pourrait essayer 80, sinon, le reste du temps, ça va être 70 souvent. D'accord. Bon, Et ouais. y a pas de souci, monsieur Lacono. Il y a pas de Ouais, souci. ça marche. Je vous tiens au courant. Merci de l'avoir rappelé. Yes, pas de souci, à plus. Au revoir. On y aurait pu se faire un petit peu plus, hein. Bon, c'est rien si c'est 100$, mais. Ok. Bon, Alors, ça fait du bien ou est-ce pas? que... Oui, ça fait super du bien, Ah, ça merci détend, hein. Jojo. Ah, ça détend à mort, hein. Bon, je vous propose... Oui, allez-y, allez-y. Je vous propose une autre balade. Voulez-vous aller au-dessus du mont là-bas en haut? Moi, ce qui me plairait, c'est de voir la Dame Blanche, si c'est La possible. Dame Blanche? Bah, Ouais. écoutez, on va essayer d'aller voir la Dame Blanche, De toute venez. façon, là, votre article, il va sortir bientôt, là. Oui, On peut il va y avoir. sortir, il Allez, va ça marche. sortir, pas de souci. Ah, c'est cool, ça. J'ai toujours Bon, voulu la voir. oh, la Dame Blanche, faut que je Ah, parce qu'il remonte. va faire nuit, là. Attendez, quelle heure C'est il est? ça, oui, on va arriver au bon moment, Ah je ouais, il est pense. 18h. J'avance un peu, mais il faut que je reprenne de l'altitude avant d'avancer. Et on va se replacer ici. Ici, je pense que c'est pas mal. Ah, c'était là quand c'était posé, ouais. Ouais. Je Parce que ma crois. vitesse est bonne, Ouais, non, ouais. c'est très pentu là, hein.
Ouais, ouais, j'avance un peu. Un peu plus avant, ouais. Ici. Oh, là, là. Moi, c'est très gentil, en tout cas, hein, Monsieur Walter, de nous avoir proposé Copotier. Hein. Ouais, mais je vous en prie. Vous voulez de toute façon voir... Oh, là, là. Vous m'avez montré les... On a touché la queue. Ouais. Oh, là, là. J'ai fait un pas trop bon atterrissage, je pense, mais bon. Faites attention, parce que c'est... le retour est en... Ok, maintenant... Oui, ah, oui, on a touché. C'est juste, vraiment... juste, hein, quand même. Hein. Juste, ouais. Ah, j'y passe le pied, mais c'est tout. Hein. Ah, c'est bien, là, c'est joli. Moi, tu vois, une maison là-dessus, là, eh ben, j'y passerai ma vie. Ouais. Mais, c'est quoi cette... Ah, si vous voulez, je la tasse. Hein. Quoi, la mouette? Voilà. Comme ça, elle fera plus. Hein, bon. Oh, c'est bien, c'est calme, c'est tranquille. Et elle est à Paris où? C'est tranquille, hein. Alors, je vais vous montrer d'un plus près. Vous voyez la pointe qui est devant nous. Il y a une pointe. Derrière, il y a des taches noires. Et à gauche de ces taches noires, il y a un rocher un peu plus séparé. Et ben, elle apparaît sur ce rocher de gauche. D'accord. Et c'est quoi son histoire, alors, si on peut avoir l'exclusivité? Je vais vous raconter son histoire. Ah oui, je veux bien. Ouais. Donc en fait, une légende prétend que l'île est habitée par des esprits. Ce ne sont pas les esprits des habitants vivant à Los Santos, mais bien des fantômes de personnes décédées dans de tragiques circonstances. Oui, alors... Vous n'êtes pas sans savoir que sur cette île, la mort est fréquente et surtout violente. Si vous vous promenez, et plus particulièrement la nuit tombée, près du phare et des falaises du Mont Gordo, vous pourriez y rencontrer une aura lumineuse ressemblant à une femme en robe blanche. Certains habitants l'ont déjà surnommée la Dame Blanche. Une équipe spécialisée du Weather News s'est rendue sur les lieux pour enquêter. Après plusieurs nuits et journées passées sur place, l'équipe a observé que l'entité apparaissait précisément entre 23h et minuit. Le phénomène ectoplasmique se caractérise par l'apparition d'une forme humaine féminine, une jeune femme aux cheveux noirs flottant en dessous des rochers. Au-dessus des rochers, entourées d'une aura tourbillonnante, des inscriptions rouges sont également tracées au sol. Elles sont formées, semble-t-il, à partir de sang. Cette apparition ne semble pas agressive et serait même plutôt du genre à disparaître si d'aventure on s'en approche. Il est à noter que sur ses joues s'écoulent des flots de larmes noires indiquant combien sa peine est grande. Oui, parce que des flammes, hein, ça fait peur encore plus. Peur, ouais. En nous plongeant dans les masses d'archives à nos dispositions, nous avons finalement trouvé une réponse à cette énigme. Il s'agirait en fait de feu Madame Jolene Cranley Evan. Elle s'appelle Jolene. Je ne connais pas. Qui aurait perdu son mari dans d'étranges circonstances en mars 1978 à cet endroit. 78, c'est quoi ça? Je ne connais pas. 78. Ah, 78, ah, d'accord. L'article du journal décrit une violente dispute qui aurait éclaté entre elle et son mari, John Jock Cranley. Ah, j'ai rien suite fait, à quoi... vous allez dire John Doe. J'ai rien fait. Bon. Suite à quoi, un malheureux accident aurait précipité Jock du hall de la falaise. Si vous observez avec attention les écritures sanglantes, vous pourriez y distinguer l'annotation du surnom de son mari, Jock. Malgré nos moult tentatives d'interaction avec cette femme, aucune n'a abouti au dialogue. Il nous semble donc plus avisé, en signe de respect pour cette personne, de ne pas venir l'importuner dans ces moments de recueillement. Par ailleurs, si vous trouvez en présence d'un phénomène paranormal tel que celui-ci, n'hésitez pas à contacter la rédaction du Weather News pour en témoigner. Bah, en fait, ouais, c'est ça, vous n'avez pas essayé de la taser pour voir si elle réagissait. Je pense qu'il vaut mieux pas essayer de la taser, la pauvre. Hein. Ah, d'accord. Elle est en plein deuil et vous voulez la taser. Lester, tu fais que répéter tout ce que dit M. Walter. Ah, c'est mieux. Bah, je fais pas exprès. Je suis transporté par l'histoire et du coup. Ah, je comprends. Je comprends. C'est prenant, hein. Et oui, ces traces de sang là, elles sont où en fait? Elles sont sur elles? Elles sont sur par terre. Vous allez probablement pouvoir les observer. Je vous conseillerais de prendre votre appareil photo et d'utiliser la fonction zoom pour y arriver. On va se rapprocher dès qu'elle apparaît. On va se rapprocher un peu. D'accord. Ça commence à devenir angoissant avec cette brume qui tombe, le soleil qui se cache.
les lumières de la ville. Toujours présent. Qui commence à me faire peur. Alors attention, attention, ça va démarrer. Oh là là. Regardons bien si elle arrive. Oh là là. C'est là, c'est ça? C'est là-bas, c'est oui. Là. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu. La blanche. Oh là là, ça me fait peur. Venez, on va voir de plus près. Oh là là. Oh là là. Moi aussi, je lui dis on est gentil. D'après M. Nuré, ça veut dire bonjour, ça. Oh, ça fait peur. Ça fait peur, monsieur Joe. Bonjour, madame. Ah, d'accord. Oh là là. Oh là là. Et comment elle s'appelle, vous avez dit? Belen. D'accord. Ah, bah, elle est plus là. C'est moi, je la vois toujours. Vous la voyez toujours, elle sera juste, elle sera là encore un petit peu, sauf si vous approchez d'elle, à ce moment-là, elle disparaît. La pauvre. Moi, je la vois elle plus. S'appelle Jolene Cranley Evan. Et madame Cramé, comment ça va? Oh là là, non, c'est... Oh là là. Ouais, j'ai pris des photos. C'est impressionnant. Ouais, je vous croyais pas, hein, mais là je vous crois. Ah ouais. Oh là là. Et alors tout à l'heure, je pense avoir entendu des cris, mais je ne suis pas sûr. Quand j'étais là-bas, ah non, c'est semble... moi. Non, non, mais. Ah d'accord. Ouais, c'est. Oh là là. Bah, ça va, les cerfs, t'as pas trop peur? Mais elle apparaît pas sur mes photos. Prendre ah moi, photos je, ouais. Je te les enverrai si tu veux. J'ai pris un selfie, on voit que mon gros nez. Tu veux que je te prenne une photo et que je te l'envoie? Oh bah si vous avez mets-toi, des photos. Mets-toi là-bas, viens, on va faire. Ah moi s'il fait ça, je tombe. Hein. Pour voir. Aïe, aïe. Équipe. Aïe, je fais comme si Walter ça marche pas. Oh là là. Ah, je reste ici, hein. Mieux qu'il reste sur mes deux pieds. Oh, trop tard. Oh là là, oh, c'est dommage. Juste trop tard, vraiment désolé. C'était juste trop tard. Oh, ah, voilà. Je t'en enverrai, moi. J'ai voilà, envoie les. Ben, je vous propose maintenant de retourner vers. C'est terrible, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah. Non, mais ça va aller, les sœurs, t'inquiète pas. Ça va aller. Bah, je voulais une photo avec Joline. Non mais l'escheur, t'inquiète. Il y a quelqu'un disponible pour l'annonce? C'est gentil parce que je suis vraiment dans le nord de l'île, je vais mettre du temps à venir. Ouais, il a volé un hélicoptère. Ah là là. C'est Norris, comment allez-vous? Ah mais comment que vous allez? Bien, et vous-même? Vous veniez de faire un tour d'hélicoptère? Non. Oui, quelque chose comme ça, oui. C'est quoi cette lumière? J'ai vu une lumière comme s'il y avait quelqu'un qui nous... Ouais. Vous aussi? Ah ouais, vous aussi, ouais, j'ai vu comme s'il y avait un... Ah mais ça vient pas de là-haut, là? Où ça? Non, hein, j'ai pas envie de me faire enlever encore, hein. Mais c'est pas genre une lumière... C'est pas genre une lumière de lampe torche, je trouve. Ah mais si, c'est l'autre idiot là. Quoi? Pomme le monsieur. Hein. Voilà, ça y est, il nous éclairera plus avec ses lumières lui. Ah ouais. Il a glissé dans la les EMS, non? Ah, il avait une flaque d'eau quoi, il a glissé le monsieur quand c'est il a eu la pression. Il a glissé, il s'est cogné. Ouais, il va se réveiller, je pense. Je pense qu'il va se réveiller tout seul. La peu alors, attends. Qu'est-ce qu'on voit la photo? Comment vous allez, monsieur Buck? Mais c'est pas monsieur Buck, moi c'est Zouzou. Monsieur Zouzou. Oh là là. Monsieur Walter. Ah, mais c'est monsieur bien, Walter moi. En plus. Oh, bon, là. Comment vous allez bien, monsieur Walter? Ça va? Depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Et oui. Qu'est-ce que vous faites en ce moment?
Mais je fais des enquêtes et puis. C'est vrai ? Ah, mais vous êtes enquêteur ? Des petites enquêtes de journalistes, hein, oui. Ah, oui, d'accord. Je ne voudrais pas vous prendre votre boulot, hein. Je suis pas enquêteur. Ah, oui, moi, non, mais moi non plus, je suis pas enquêteur. Vous faites quoi alors vous, Moi je suis au parc. Ouais, c'est ça, ouais. Je m'occupe du parc Ranger. Ah, oui, d'accord. C'est chez vous que je suis venu chercher mon permis de pêche ? Et c'est ça, exactement. Ah, ben voilà, oui, oui, tout à fait. Je m'en souviens. Vous avez vu la dame blanche ? Mais ça fait peur, c'est quoi ça ? Mais non, ça me dit pas le dire. Oh là là, mais. Oh, mais vous m'avez fait trop peur aussi là. Aïe ! Ah ah. C'est pour lui remettre les idées Jojo, en place. Des fois, il en a bien. Ça va pas mieux. Non, ça va pas. Ça mieux. Reste entre nous. Mais, d'accord. Je pensais que c'était une info que je vous avais demandé de garder secrète, monsieur Jojo. Ouais, mais en fait, on est, comment dire, on est comme les doigts de la main, tous c'est les ça. Deux. D'accord, ok. Une main mais un petit peu amputée, un peu, parce ça que. Restera, ça restera contre lui et moi. Pendant 5 minutes encore, c'est ça. Si j'ai bien compris. Ah non, non, vous inquiétez pas, moi c'est Motus et Bouscousi. D'accord. Mais par contre, okay. Ça m'a fait merci peur, ça m'a surpris là. J'ai pas fait de commandes. Vous voulez que je fasse des cauchemars ou quoi? Non mais moi, voilà, j'ai obligé. Mais c'est la seule personne à qui je le dirais, hein, monsieur Walter, ne vous inquiétez pas. Oui, oui, d'accord. Et à monsieur le baron aussi, peut-être. Bah oui, mais monsieur le baron, il sait pas si c'est là tout de suite. De toute façon, dans un jour ou deux, ça sera dans le journal. Et, vous allez faire un article sur ça, moi, je l'attends avec impatience. L'article est déjà écrit et il devrait sortir. Incroyable. Ouais, il nous l'a lu tout à l'heure, c'est une histoire triste. Hein. Ah d'accord. Ouais, ben alors j'attendrai ça avec impatience. Hein. Ouais, c'est ça. Et vous savez ce que je ferai, monsieur Walter, ça? Dites-moi. Eh ben, j'enverrai un message à vos patrons pour dire que l'article est exceptionnel, comme toujours. Oh, vous êtes vraiment gentil, vraiment. Ah non, mais c'est normal. Quand c'est des gens qui font bien leur travail, il faut le dire. Hein.